Je m'appelle Kevin, je suis un habitant de la rue d'Aubagne et je suis membre. Nassera devait parler, elle est malade et elle ne peut pas parler, donc je prends le relais au pied levé. On est membre du collectif 5 novembre, collectif qui s'est créé au lendemain du drame de la rue d'Aubagne et qui s'est mobilisé dans le quartier et aux côtés des délogés pour dénoncer les pouvoirs publics et leur inaction dans cette situation. Jean-Claude Gaudin a annoncé hier par voie de communiqué de presse l'annulation du conseil municipal de ce matin en prévision de soi-disant débordements. Je crois que preuve en est qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ce conseil municipal et qu'il s'agit encore une fois d'une nouvelle forme de mépris et d'évitement de la mobilisation populaire. La honte. Cette décision... révèle une nouvelle fois que la panique s'est emparée de la majorité municipale et que celle-ci continue de mépriser les revendications légitimes des Marseillais pour le logement digne et pour le droit à la ville. L'Assemblée des délogés, qui s'est tenue samedi dernier, le 8 décembre, a tenu à dénoncer fortement la désinformation que la mairie orchestre depuis une semaine, à laquelle vient donc s'ajouter une dose supplémentaire de mépris social et politique. Les occupants à qui on a proposé de réintégrer leur logement sur la rue d'Aubagne sont en réalité laissés à l'abandon, sans eau, ni gaz, ni électricité. Les expertises et arrêtés sont toujours inexistants pour la plupart. Contrairement à ce que dit la mairie, aucun agent municipal n'a été aperçu pour accompagner les relogés dans leurs hôtels et les propositions de relogement ne correspondent toujours pas aux besoins des personnes dans la grande majorité des cas. Pourtant, des logements sociaux ont été remontés et certains bailleurs sociaux attendent toujours que la mairie leur demande de les mobiliser. Il existe donc des logements qui seraient adaptés dans le centre-ville et que la mairie ne mobilise toujours pas. Aurait dû permettre de prendre des mesures fortes concernant la gestion de l'urgence, les frais d'obsèques des familles des victimes, la résorption de l'habitat indigne. Jean-Claude Gaudin décide donc de reporter aux calendes grecques la protection de ses administrés, nous toutes et tous les Marseillais et Marseillaises. Bordille ! Les soi-disant débordements liés aux manifestations pour le logement sont en réalité la conséquence du même mépris social et politique, de l'absence de décisions politiques claires des pouvoirs publics, et j'ajoute à la mairie également l'ensemble des collectivités et l'État, auquel s'est ajoutée la répression policière démesurée de ce dernier mois. Nous l'avons déjà documenté et dénoncé grâce à vos témoignages. Les interventions policières du 14 novembre et du 1er décembre était clairement disproportionné. Le dispositif policier qui était prévu aujourd'hui prévoyait d'ailleurs, comme nous le sommes, de nous maintenir côté port au bord de la mer, ce qui est extrêmement dangereux. Ces violences policières, ces pratiques, les lancers de grenades lacrymogènes en l'air ont conduit au décès de Madame Zineb Redouane le 2 décembre. La mairie, l'État ne peuvent se cacher derrière ces violences orchestrées par eux-mêmes pour masquer leur absence de politique digne pour le logement et le droit à la ville des Marseillais. Cette violence et cette panique orchestrées doivent cesser.
Nous appelons l'ensemble des Marseillais et Marseillaises, les associations, les collectifs de quartier, les associations, les syndicats, à continuer à nous mobiliser dans le calme. Aujourd'hui, mais également les prochaines semaines, l'Assemblée des délogés de samedi appelle d'ailleurs lundi prochain à une mobilisation à 17h devant la préfecture, à l'heure où nous irons en négociation pour maintenir la pression et demander à ce que des mesures d'urgence soient prises. Nous appelons la préfecture et l'État à reprendre en main cette situation catastrophique, obliger l'ensemble des institutions, mairie, métropole, conseil départemental, région, à ouvrir de véritables négociations avec les collectifs d'habitants et associations. L'État compétent en matière de logement, de santé et de sécurité publique ne peut pas continuer plus longtemps à se cacher derrière la municipalité et doit enfin prendre sa part de responsabilité dès maintenant pour le relogement des habitants, pour un habitat digne, pour le droit à vie, à la ville à toutes et tous, pour notre dignité à toutes et tous. Merci. Yeah.